Et voilà. Et je relance. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette quatrième vidéo où on va découvrir la mission du sabotage industriel. Je suis toujours avec la Dream Team d'Acus Putain Flo. Salut. 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 Ça faisait longtemps. Ah, je suis pas étonné. Donc du coup j'ai quand même pris pour l'affectation pour mon troisième arme, mais vous pouvez la prendre au cas où, à moins qu'ils vous proposent que la première mission soit un sabotage industriel, mais honnêtement j'ai pas l'impression. Peut-être que tant qu'on l'avait pas débloqué. Nouveau niveau de danger mortel, chasse à la pioche, le piolet gouffronné et amélioration de distance, fusil intelligent lock 1. Ouais, c'est une nouvelle arme. Ça va être ma nouvelle arme. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Oui, bah c'est ça que je te parle, mais je veux dire, tu la prends, mais tu sais, tu regardes qu'est-ce que tu dois faire comme mission. Si la première c'est un sabotage industriel, c'est un triangle, une espèce de triangle. Enfin, ça ressemble à un diamant, quoi. C'est une mini-mule. Ouais, bah non, mais je pense qu'effectivement il n'y a pas. Mais c'est pas grave, on va aller découvrir ça quand même. J'ai pas regardé s'il y avait une bibine. Et apparemment, c'est une Acus. C'est le jour, il y a toujours une bibine. Et là, c'est la salaire saute. T'as vu ça avec l'accent. L'accent du sud-ouest. Ouais, l'accent du sud-ouest. J'avais pas vu le signe qui a dit j'ai nourri Chobiti et Zikino qui dit on dirait que tu parles de ton chat. Salut à toi Mathéo. Salut Matt. Donc, ouais, on est bien dans un jeu et pas dans un concours de Just Dance avec des nains. Ouais, mais il connaît bien le jeu, c'est lui qui m'a initié à Deep Rock Galactic. Ah oui, ok. C'est toi qui as fait de Dacus ce qu'il est. Eh bah écoute, on va pas te remercier, on va te demander de repartir tout de suite. C'est grâce à lui que je suis un super scout, arrêtez. Alors là. Eh, hey, vous me gardez, vous avez pas trouvé mieux, en quelque part. Bah justement, est-ce que Mathéo n'est pas mieux? Non. Bah non. Il veut plus jouer scout. Bah il devrait parce qu'au moins tu l'es pas. Bah je joue autre chose, pas grave. Ah bon? Oui, j'ai d'autres persos. Allez, bonne soirée. La dernière fois que t'as essayé de faire ingénieur, c'était un carnage. Ouais, 1G c'est pas ma cam. 1G. Oui, je suis resté dehors. Belle ferme. Il paraît que dehors il fait bon. Ouais, normalement, ouais. Hop, je reviens, je vais prendre un petit oreiller. Oh, c'est vraiment scandaleux, quoi. Pour ces petites fesses. Non, c'est pour mon petit dodo. Oh. Elle est fragile. Oh, ça va. Hein. Ah, tu jouerais scout, tu serais pas fragile, hein. Tu serais un bonhomme. Un vrai. Oh là là. Un homme qui peut se sortir de toute situation. Ouais, il connaît qu'un mot, la fuite. La fuite. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas. Bon, on va enfin voir cette nouvelle mission. L'exemple du scout, c'est Gérard Junio. Ah, l'insulte suprême. Je vais essayer, mais je peux pas bien le prendre. C'est quoi, sur un malentendu, ça peut marcher, c'est ça? Non, tu fais le scout, hein. C'est dans quoi déjà, je sais plus. Oh là là, et on a un pic à 11 spectateurs. Wouhou. Comme quoi, cracher sur le scout, ça fait venir du monde. Bande de pourris, hein, j'ai vu. Et on fait ça que pour le bonheur des viewers. Hein. C'est pour l'audimat. C'est pour l'oseille, c'est bon, t'inquiète. Dès que ça clash, tout de suite, ça marche mieux. C'est ça. Ouais. Vous allez me mettre en cage, vous allez me jeter des cacahuètes dessus, là. Comme dans la soupe aux choux, c'est ça? C'est ça que... Il y a ça dans la soupe aux choux? Oui, à la fin. À la fin. Enfin, non, c'est même pas à la fin, c'est au milieu. Eh merde, tu m'as raconté ce milieu. Mais pourquoi tu m'as spoilé la fin? Bah, mais. Du coup, c'est le milieu. Eh, là, quand même, il y a prescription. Depuis le temps, quand même. Ah, personne s'est occupé. On a Papa Mouette. Salut, Papa Mouette. Salut. Oula, c'est quoi ça? Tourelle à rafale, d'accord. Ça fait piou. Oui, ça a l'air mignon, mais. Ça fait mal. La répulsion, c'est à dire, ça fait quoi? Tiens, je vais tester. Aïe, ça fait mal. Ça répulse des scouts.
Me révulse, ça je suis d'accord. Là ça a répulsé un soldat. Les pires. C'est quoi ces tourelles là? Ça fait pas de mort. Ah, il y a sûrement générateur ça. Avec un champ de force. Doucement ces trucs par terre. Ouais, c'est une totale découverte. Hein. Ouais, c'est super classe. Ouais, ouais. Alors tiens d'ailleurs tout ça là-bas. Ça ah, les exploser. Toiles qui me tirent dessus, d'accord. Ok. Aïe. Eh, tu veux faire un combat de tourelle? Je crois que je suis allé un peu profond là. Ah non, merde, elle me tire pas dessus. Je ne dirai rien par rapport à ce que t'as dit, mais. J'en pense pas moi. Tu parles de qui? De toi? Ah, pas de moi, hein. Je disais que tu pouvais faire un combat de tourelle. Mais on est sur Twitch à une heure d'écoute. On aurait été contre nous, on aurait peut-être fait une vanne, mais. Ah non, c'est un champ de force. Comment on fait? Bah attendez, on va aller découvrir ça. Je crois qu'il faut pirater les générateurs pour l'affaiblir. Donc faut trouver les générateurs. De mémoire, j'en ai c'est trouvé. Ça. Je crois que j'en ai trouvé. Ah non. Si c'est le piratage comme tout à l'heure, ça va être quelque chose. J'espère qu'il sera mieux foutu, ouais, j'avoue. Voilà. Attendez, je regarde où vous êtes. Ok, vous êtes là-bas. Bon, moi j'ai trois tourelles de rafale, moi, sur moi. Ouais, ils en ont mis, ouais, des tourelles de rafale. Là. Ah oui, il y a un câble là-haut. Ah, c'est comme ça qu'on les repère. D'accord, ok. Comme quoi, le scout, des fois, ça peut servir. Hein. Et c'est le seul qui lève la tête. Hein. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Les autres, ils mettent leurs pieds, là. Ouais. Ouais. Mais il fait que lever la tête, de toute façon. Wow, 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 il y a un truc qui me vise. Aïe. Ça fait mal. Robot patrouilleur. Oula, 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 oui. Moi, je me casse. J'ai voulu explorer, mais non. J'ai plus envie. Et vous avez remarqué que les robots... Vous avez remarqué que les robots et les glyphites, ils sont ensemble? Ils se tapent pas dessus. Ils se tapent pas dessus. Même ça, ça... Ça s'appelle une tourelle de précision. Vous voyez, en même temps, ça ressemblait bien à Sniper, ouais. Bon, par contre, c'est très faible. Hein. Elle est morte. Je me rappelais pas qu'il y avait un codex avant. Il y a toujours eu un codex. C'était au début, c'était quand tu débutais, depuis tu l'as plus rouvert. C'est vrai. Donc, je crois que même quand j'ai débuté, j'ai jamais ouvert. Ça doit trouver un générateur. Attention, il y a un autre tireur de. Une autre tourelle de précision. Oh putain. Ouais. Sniper turret destroyed. Le générateur, t'as vu. Alors je n'ai pas toujours. Je vais lire le chat vite fait parce que ça papote. Ah bah non, je vais pas le lire tout de suite parce que Flo est mort. Ah bah ouais. Eh bien Steve. Pas beaucoup sœur. Ah je vais être sympa quand même. Merci beaucoup. Profite-en. Est-ce que ça aurait été d'Agus? Profite-en, la gentillesse c'est quelque chose qui se fait rare hein ici. Ouais. Et il est en train aussi, j'ai l'impression. Ah ouais, j'ai un oppresseur sur la tronche. Tu m'entraînes tout seul déjà. Non, mais je parle pas de toi. Je parle d'Aidacus. Ouais, bon, ouais, c'est... Que je suis sûr que nous on est en train de combattre, mais lui il est déjà en train de chercher de l'or ou. Si la mule a disparu, faut pas vous inquiéter. Après, allez, j'ai les poches pleines! Alors, Papa Moi qui demande, qui est tenté par le jeu, qui demande la maniabilité à la manette. Clairement, moi perso, je peux pas te répondre. Non. Ouais, moi non plus. Je tenterai pas, moi. Bah, c'est toujours déjà... pareil, hein. Après, non, mais il y a des gens qui ont une très grande dextérité à la manette pour les FPS. Hein. Moi, ouais, pas moi, du tout. Oui, quand tu vises et que t'as la visée automatique, là, tu l'as pas. Hein. Bah, Zikino dit qu'il pas, a. Si tu l'as ou pas. Zikino dit qu'il a quelqu'un dans son équipe qui joue à la manette et ça se passe bien. Donc après voilà, c'est... Ah, et venez voir le câble, il est tout claqué. Il est tout claqué. Il est tout pété. Oh, il y a encore des bugs. Il fait un espèce d'angle trop chelou. Donc il faut une truc de... D'accord. Oui, je l'ai fait. J'arrive, hein.
Je mine de la copa et je viens voir ça. Oh. Et en plus, il y avait la bouche pleine. Oh, tiens, je grignote à côté, je grignote, c'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé au début là? Oh là là, tu manges, t'es même pas prêt et l'autre il grignote là? Pardon? Ouais, mais je veux pas. Alors, c'est pas vrai, tu peux pas le prouver parce que déjà, tu peux pas ça le ça n'a pas été enregistré, c'est vrai. Ouais. Il est où ton cap pourri là? Je n'étais pas témoin. Ah, oula, c'est bizarre le câble. Oula, l'angle du câble. Mais ouais, c'est ça. C'est quoi cet angle? Ça n'a pas de sens. On peut pirater les drones patrouilleurs. Oui. Le site qui me dit parle pas de copa avec Chobiti à côté. Non, c'est de la cropa, hein, pas de la copa. Tu peux essayer de mettre de la cropa dans ta raclette, mais bon courage. Hein. Oula, ça serait un peu dur. C'est bon, on a un robot patrouilleur avec nous. Ah mais faut avoir la volonté et trouver des amis ou tout le monde peut le faire? Je sais pas. Moi je l'ai donc je vais te dire. Bah si on peut en faire un autre on verra nous mais bon. Y'a pas bon, que les ingénieurs qui peuvent faire ça non? Ouais peut-être, c'est possible. Je crois qu'il y a un truc comme ça. En même temps j'ai envie de te dire, c'est ça. Parce que nous on n'est pas assez intelligent, c'est ça? Ah non mais. Ne prends pas comment t'appelles ton cas pour une généralité. Hein. Ah, il y a que le scout qui est bête. Hein, excusez-moi. C'est vrai que. Je crois pas que ça passe comme les amis des bêtes. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut en faire ce générateur? Bah, j'ai appelé la zone de piratage, mais je sais pas où il est. Ah bah voilà, fallait le dire. Ouais. Je l'ai dit. Daki, j'ai dit ah ok. C'est peut-être le truc en haut, et c'était comme tout à l'heure, c'était la même misère. Bah, j'ai surtout l'impression que les mecs savent pas viser quand même. Hein. Parce que le truc il est là, ils te le mettent 200 mètres plus loin. Doucement le volcan. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, j'ai des croches racines. Ah, mais je vais crever en fait, moi. Ouais, parce que dedans on se fait attaquer par des cracheurs acides. Ouais, bah ouais. Personne n'a vu du sucre rouge, non? Si, juste là. Si, mais je te le dirai pas. Où ça? Et après, il s'étonne pourquoi on l'aime pas. Voilà. C'est ça, l'entraide, quoi. Bah, mais il est mal placé, il est chiant là-haut, quand même. Vous avez pas mieux? Tu m'as dit du sucre rouge, là. J'ai même plus de quoi y aller le chercher, quoi. Tu serais scout, tu pourrais le chercher. Donc c'est quand une sonnerie de portable des années 90 là. Pas moi. Je ne sais, c'est pas moi. Je sais que c'est toi Flo. Hein. C'est pas comme si ça s'est arrivé à chaque fois qu'on jouait. Hein. Bah, au moins vous savez que c'est moi. Ah bah. Et du coup oui, alors les drones c'est pas avec l'ami des bêtes parce que j'avais encore mon Steve quand... Oui, non, mais je crois que c'est que les ingés qui peuvent faire ça. Oh ouais, non. Pour éliminer ça par contre, je suis pas d'accord. Non, on demande pas ton avis. Oh ouais, mais je peux pas éliminer ça, moi. Oh, il y a Z-moi, salut Z-moi. Z-moi 6, pour être précis. Salut Z-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, déjà? Ah oui, il faut protéger le... Il fallait le protéger là-bas en fait. Oui. Voilà. Pas comme vous la dernière fois. On apprenait, c'était l'apprentissage, ok? C'est ça. Oui. Bon, je parlais bien sûr de lutin et d'amnène. Ah donc oui. Que même. même en temps normal, moi de toute façon. On apprenait. Qu'est-ce que c'est que ce robot qui s'excite là? Mais non. Avec la. Mais non, ouais, avec la casquette, avec la casquette à l'envers des RG et tout. Oh là là. Trop. Trop thug quoi. Trop swag. Ouais, grave. Putain, ils sont arrivés sans cri, gars, les mecs. Hein. Attends. Oula, mais il y aurait bien un scoop qui aurait pas fait son boulot ici, non? Au moins. Non, mais t'as mis où c'est planté là? Ouais, tu montes dessus celui-là, tranquille. Celui-là, ouais, d'accord. Non, d'accord. Là, c'est les 10 ans. Bah, j'espère bien. D'ailleurs,
Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Mais non, mais non, pas maintenant. Moi je pense que c'est bien. Mais ta fille que c'est pas une bonne idée. Attention derrière, il y a les robots qui arrivent. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a le robot patrouilleur quelque part, ça. Tiens, il y a un monstre que j'ai pas vu depuis le début. C'est le détonateur explosif, mais ouais, doré. Avec l'or. Ah, c'est vrai que les viewers, ils auraient bien aimé le voir, lui. Ah oui, je l'ai jamais vu, celui-là. Oh, quand même. Non, c'est pas que j'ai jamais vu. C'est que je l'ai pas vu depuis qu'on a commencé. Bon, on en a vu deux ou trois déjà, des gros, là, que ça va aller. Ouais, mais celui-là il fait du pognon. C'est vrai que celui-là il fait du pognon. Et je vois que putain, t'as pas changé, hein, t'es toujours après le pognon toi. Ah, tout le temps. Moi, on a fait du pognon, je suis fou. Even terminé. Ah. Eh ben. Bah, les ennemis ils ont pas compris ça. Ah, et là, je peux la pirater normalement. Ouais. Ah, je peux en pirater. Mais tu peux en posséder plusieurs ou Bah, je sais pas. Bon, je pense que je vais pirater celui-là. On me couvre ou pas? Parce que là, je pirate. Bien sûr que non. Et après, ouais, quand je pirate, ça me met du temps? Eh oui. Ah ouais. T'as plein de trucs à faire là. Ça prend un petit peu de temps. Du coup, il y a des jeux qui tournent ou pas? Bah, si vous voulez du ravita, il y en a là-bas. Hein, du coup, on en a appelé deux. Hein. Est-ce que je récupère mes deux? Oula, c'est quoi cette armée de crasheurs d'acide? Il y en avait 5 les uns derrière les autres, quoi. Ouais, mais ils arrêtent pas. Ouais, alors qu'avant ils arrivaient par deux, maintenant ils les font arriver par beaucoup plus. Hein. Mm. Ah, mais la difficulté a augmenté. Hein. Ah oui, en fait, non. J'allais dire qu'on peut avoir les deux. Mais... Si le drone de piratage est fait cheap par rapport à vos ennemis robotiques. Oui, bah Vacus, oui. T'as pas eu un souci? Je vois pas de quoi tu parles. Non mais... Et merde. J'ai glissé, chef. Ne le relevez pas, putain. Bah, et moi je l'ai même pas vu, quoi, donc Ouais, comme quoi, je peux mourir, hein. Oh, je vais te plaindre. Oh. La bouche grande ouverte, y'a pas de problème. Oui, c'était dans le contrat, ça. Ah. Ah, mais d'accord, mais je l'ai pas lu, le contrat, en fait. Ouais, c'est ça le problème. Bah c'est simple de signer sans lire, hein. On m'a dit d'accord. Signe, j'ai signé. Mais pour les détails... Moi on m'a dit viens, il y a du taf, mais j'ai pas lu quel taf c'était et j'ai pas lu les termes du contrat. Engagez-vous qui disait. C'est ça. Du coup il est où l'autre Bah, à l'autre bout du câble, non? Ouais, il faut aller voir le deuxième câble où est-ce qu'il va et... Ouais bah c'est décassé comme l'autre. Désolé, l'autre bout du câble... Il va par là. On peut le marquer en tout cas. Eh ben ça brûle. Au boulot, il y a de l'or. Eh ben oh eh oh oh oh, je suis pas l'esclave là. Merde, attention. Oh là là, il y a une petite... ouais, ça tire un peu, ouais. Là on se revient en guerre là, merde, attention. Mais oui, carrément, oui, C'est la guerre. Tu viens de me balancer un C4 dans la gueule ou quoi? Mais pas du tout, c'est une grenade. Non. Non, c'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Je suis touché. J'ai vu. Et on est pas dans Call of Duty là, hein. À couvert. Ah, j'ai pas compris, il y a le signe qui dit Dacus, on t'a dit signe, c'est ça. Non. Ah signe. Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Bah oui, il a écrit signe comme le signe. Oh là. Bah ouais. Et du coup, je suis mort moi, en lisant ces conneries. Wow. J'arrive. C'est réellement impactant. Plus que avec toi, oui. Bah quand même. Voyez où la mule. Ah. C'est bon. Ouais, je pense pas loin de Dacus. Non, il même pas. Boss Dacus au lieu de parler. Arrête de bouffer toi. En fait, c'était pas en lisant que t'étais mort, c'était en mangeant. Ouais, c'est ça. Oh putain, il y a trois snipes de cocodé. Et qui t'a grignoté? Tu pourrais partager ton petit camembert, parce que j'imagine que c'est un camembert que tu manges. Mais bien sûr, je suis en Normandie, je mange un camembert, c'est... Ah oui.
Obligé. C'est logique. Bah bien évidemment, quoi d'autre? C'est légèrement sectaire comme. Alors, c'est moi qui demande le but du jeu. Alors le but du jeu, c'est insulter ses coéquipiers. Voilà, déjà. Non, c'est pas insulter ses coéquipiers, c'est insulter le scout. Ouais ouais. C'est surtout ne pas faire confiance à Dacus, ça c'est la première règle du jeu. Sinon tu meurs. En gros c'est un jeu, je sais pas si tu vois le concept de Vermintide par exemple, Warhammer Vermintide, ou de... Les 4 Dead éventuellement. Ouais, les 4 Dead etc. C'est à peu près le même principe, il y a 4 rôles différents. Alors sachant que sauf que en fait tu peux jouer les 4 rôles. Oui, oui, exactement, c'est vrai. Le tien, tout à fait. Voilà, voilà, voilà. Et tu peux... Non mais je veux dire, chacun peut jouer le rôle qu'il veut, hein. Il peut y avoir 4 scouts, ça sert à rien et c'est nul, mais ça existe. Et sinon t'as différents objectifs de mission, ça va être des missions qui sont générées, des niveaux qui sont générés de façon procédurale. Et ça veut dire quoi? Généré aléatoirement. Voilà, merci. Ouais, merci, merci. Merde, attends, excuse-moi, mais il y en a un là qui fout rien. C'est qui? Un Dacus. Mais c'est pas que je fais rien, c'est que je... Bon. Non, mais il y a plusieurs types d'objectifs. À côté de ça, tu gagnes de l'XP, tu peux débloquer des nouvelles armes, tu peux améliorer tes armes, etc. C'est un peu le même principe. Parce que t'as pas d'objectif final, quoi. Mais je vais mourir. C'est bon. Tu débloques des bières que tu peux boire avant de partir en mission qui te donnent des bonus pour la mission. Et ça, c'est bien. Les bières. Oui. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas trouvé. Et miner des ressources, c'est ce qu'on fait là, tu vois. Hop, par plat, je mine des ressources. Et vous saviez que par rapport à un dernier. Comment on appelle ça? Dernière recherche, l'humain est arrivé à ce qu'il est grâce à la bière. Ah bon? Et ouais. Ça me rassure. Ouais. C'est Cronenberg qui a fait. Non, ça dire, pas. Ça veut dire que je suis super intelligent. Cronenbourg plutôt, parce que Cronenberg, c'est un réalisateur. Je suis fatigué. Et vous me fatiguez encore plus d'ailleurs. Oh. Mange un peu plus de camembert, ça va aller mieux. Merde. Ouais, en gros, en résumé, en une phrase, c'est ça. Tu fais des missions et tu améliores ton nain. Voilà, c'est tout à fait ça. Et tu joues avec des copains que tu peux insulter aussi. Mais j'étais en train de faire mon taf, mais personne m'a protégé, bah je meurs. Et c'est quoi ton taf? Miner. D'accord. Bon, une fois que tu comprends ton taf. Je ne savais pas que ton titre c'était mineur, mais On l'est tous plus ou moins. Ah bah moi aussi. Mais vous êtes vraiment tous en train de crever là? Bah, vive des patrouilleurs. Aïe. Ouais, non, mais ils sont loin. Ouais, ils sont allés derrière moi. Mais oui. Pourquoi je suis à terre? Bah, parce que mes coéquipiers m'ont même pas et ils m'ont jeté des cailloux. Bien, vas-y. Bien, je vais mourir. Je vais essayer de le suivre, celui-là. Oh putain, mais oh non, mais. Pff, ce qu'ils ont mis le truc de piratage encore. Ah, mais faut venir te chercher là-bas, Dacus, sérieusement. Mais c'est bon, mais j'arrive. Voilà. Merci. Regarde. Merci, mon bon ami. Vous êtes bien brave. C'est pas la peine de faire le gentil, ne crois pas que pour autant il va t'apprécier. Oh, mais ça, je sais très bien. Hein. je sais que c'est pour la caméra. Hein. Comment t'as deviné? Alors, les avantages de chaque type de perso. Donc, déjà, Dacus n'a aucun avantage. Il a même que des inconvénients. Putain, c'est pire. T'as le soldat, c'est-à-dire moi ce que je suis, c'est la classe la plus utile du jeu et la plus sympa. Mais je dis pas du tout ça parce que c'est moi qui l'incarne. Ah ouais. Oh, on en est là. Bah on en est à peu près là. Hein. Ouais, en fait, non mais... toutes les classes ont de leur utilité. Et après t'as les associations qui sont pas mal. Par exemple l'ingénieur scout, comme l'ingénieur peut faire des plateformes, le scout peut aller miner des trucs. En gros. Hauteur. Bah parce exemple moi, là. Un petit grappin, je peux aller partout. Attends, je te remonte. Voilà, il a un petit grappin pour aller partout, mais par contre, il peut pas se suspendre dans les airs. Donc, hop, l'ingénieur met des plateformes comme ça, le scout fait ça, voilà. Et au moins, il est calé, il peut aller miner. Et le mineur, il mine.
C'est ça. Donc l'ingénieur à côté de ça, il peut aussi, il a un fusil à pompe en arme principale. Après, on peut débloquer d'autres armes, mais il peut poser une mitraillette, qui te défend. Qui pose jamais. Ouais aussi, ouais d'ailleurs. Donc le scout c'est son grappin. Flo il fait le foreur. Bah fais-lui un exemple. Alors attends, moi qui mine un mur, parce que tous les niveaux sont détruits entièrement, tu peux tout détruire. Hein. Tu peux créer des chemins et tout. Donc ça c'est moi qui mine et ça c'est Flo. Voilà, d'où son nom de foreur. Et à côté de ça, il a des armes style lance-flamme, lance-glace notamment, qui est très sympa. Oh, ça vole moins bien. Ah bon, t'as dit ça, j'ai une très belle lumière aussi. Le truc tombé comme une merde. Oui, et le scout, effectivement, peut balancer des grosses lampes torches pour éclairer. Et on a tous des petits éclairages comme ça là. Hop là, mais c'est un peu de la merde. Et puis voilà. Oui, ça éclaire pas bien. Et c'est pas en bas qu'on est censé protéger. Mais si, mais il en manquerait pas un par hasard. Ah bon? Ah, je dirais qu'il en manquait un, moi. On peut pas juste le connecter là, faut vraiment le mettre si proche. Bah, ouais. J'ai l'impression. Bon, bah, ok, ouais, bah, il y en faut un là. J'y vais. Il passera celui-là. Voilà ce qu'on peut dire pour les classes. Ouais. Et le soldat, bah, c'est un gros bourrin. C'est bon, c'est bon. Gun. Il a réussi à. Et il a un. Je peux mettre un bouclier au sol aussi, qui permet de recharger le bouclier de tout le monde, qui éloigne tous les ennemis et qui fait que. Ben, on prend pas de dégâts à l'intérieur. Et t'as pas dit le meilleur pour le foreur? Oui, il peut balancer du C4 qui fait du dégât, un peu trop de dégâts. Si j'étais debout, décaler un petit peu. Donc en gros, faut arriver à coopérer, oui, effectivement, et c'est pas toujours facile dans cette équipe. Mais on s'entend bien, hein. Oui. Tous les ennemis ont des points faibles qui permettent de leur faire plus vite plus de dégâts. Que dire d'autre? Par exemple, les prétoriens, il y en a un là. Je peux lui montrer. Oui, c'est vrai que j'avais fait deux vidéos découvertes, effectivement, avec Morgan notamment, qui m'a initié à ce jeu. Qui? Morgan Van Brilan! Son nom très complet. On t'entend plus? C'est notre ingénieur. C'est toi qui mute? Qu'est-ce qu'il raconte? On m'entend plus. Je sais pas. Mais si, on t'entend pas. On l'entend. Il a voulu faire une blague, je sais pas. C'est ça. Ah. Ok, bah c'est passé à travers. C'est passé à l'as. Ça donne quoi? Pourquoi le piratage il avance plus? C'est un truc qui a sauté en haut? Ouais, y'a un truc qui a dû sauter quelque part là. Ouais, j'y vais. Attends. Ah, je peux pas appuyer, ouais. Alors, non, y a pas de vraiment d'amélioration de son nain qui fait que. C'est bon? Bon, ouais. Creuser plus vite, non, mais par contre, oui, tu peux rajouter quelques améliorations des compétences actives et passives qui font que tu peux transporter plus de munitions, plus de ressources, pardon, plus de munitions aussi d'ailleurs. Faire quelques dégâts en plus, éventuellement. Quelques dégâts en plus, ouais, mais globalement, tout le monde est. Enfin, en gros, quelqu'un qui passera. Qui a passé 3000 heures sur son personnage, clairement, tu gagnes des niveaux. Arrivé au niveau 25, tu peux upgrade ton personnage, ça se voit à gauche, si tu regardes moi, Flo, Lutin et Dacus, on a des étoiles. À la première étoile que tu vas débloquer, tu vas pouvoir débloquer des grosses améliorations pour toutes les armes de tes personnages. Mais après, tout le monde a les mêmes, hein, je veux dire, tous les soldats ont les mêmes améliorations, il n'y a pas de truc exclusif. Et après, tous les 25, donc tu repars au niveau 1, quand tu as fait l'amélioration de ton perso. Et ensuite, tous les 25 niveaux, tu peux re-upgrader ton perso, mais c'est purement pour la fame, quoi. C'est pour avoir le zizi tout dur. C'est ça. En gros, t'as 3 étoiles bronze, 3 étoiles argent, 3 étoiles or, je crois qu'il y a 3 étoiles platine aussi. C'est pour ça que c'est pour ça que ça sert à rien. Donc, en gros, si tu joues avec quelqu'un qui a joué 3000 heures, le mec il va avoir beaucoup plus d'expérience que toi dans le jeu. Mais par contre, il aura pas un meilleur perso que toi. Enfin, si, mais. Non. Bah, il saura mieux l'optimiser. Voilà, c'est ça. César. Oui, c'est ça. Éventuellement, mais par contre, à partir du moment où t'as upgrade une fois un personnage, t'as accès à toutes les améliorations, quoi. En gros, c'est ça. Oui.
à part celle de la forge qu'il faut découvrir, mais bon. Donc le jeu est assez juste pour ça. Et il n'y a aucun DLC payant sauf pour avoir du cosmétique. Toutes les mises à jour sont gratuites. Que j'ai tout acheté, évidemment. Merci. Oui, ça aussi, ça c'est mon problème. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Enfin, si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Ouais. Il y a aussi l'amélioration des bières, ouais. Des bières qui ouais, les améliorations des bières, ouais, effectivement, qui permettent d'avoir des effets uniques, enfin pas uniques, mais. À chaque mission, quoi. Ouais, c'est une petite amélioration unique pour chaque mission, voilà, il y en a une dizaine différentes. Enfin, il y en a qui servent à rien à part faire des effets qui couloulent. Mais il y en a qui font des vrais effets pour les missions, comme plus de vie, etc. Alors, ça c'est fait, donc j'imagine qu'on va pouvoir aller éteindre le champ de force. Ça a dû l'éteindre même peut-être. Non, c'est marqué qu'il faut l'éteindre. Ah d'accord. T'as un petit schéma en haut à droite. Ah oui, ah. Qui est même plus bien foutu. Ah, il y a des objectifs. Eh ben. Il y a des objectifs. Oui. Faut faire ouais, des choses. Le jeu est très sympa, il est jouable en solo aussi, hein, mais c'est vrai que pour moi, le plus cool c'est quand même. Ça vaut pas le multi quand même. Non, ça vaut pas le multi. T'as pas trop le cool quand même, mais après c'est vrai que oui, le multi c'est. C'est différent quand tu peux combiner les classes. C'est ce qui est bien. Merde, il est tout. Je suis en train d'enlever les batteries de secours. Attends, parce qu'on se fait pourrir la gueule là par des robots. Oui, par des robots tireurs d'élite. C'est sympa. Entre autres. Allez, j'ai fait un côté déjà. Bon, bah, ils sont bien relous ces robots patrouilleurs. Hein. Ouais, il y avait qu'un seul côté. Ouais, ouais. J'aime pas ça le nom, le serveur active les défenses. Non mais. Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Méfiez-vous, je crois que l'event est assez chaud. Hein. Oula! C'est parti! Oh les tentacules! Et en plus, il y a des. Et du fils, parce que de la gueule. Il y a des vermines en plus. Ah, super, je suis perdu en force. Faut l'esquiver? Ah, faut l'esquiver, ouais! Ouais, ouais! Oh là là! Ah! J'ai l'impression d'être dans ce truc un jeu à la coréenne quoi. Faut esquiver les champs de force. Sans blague. T'as pas vu t'as pas eu le temps de voir Lutin? Non bah j'ai vu un champ de force quoi. Ouais mais il y a des trous en fait. Il faut que tu passes entre les trucs. Faut que tu te déplaces. Ah, d'accord. Non, si touche il fait mal quoi. Sinon il pointe. T'es à ça regarde hop tu vois. Dans les... Ouais. Oh la vache. Oh putain. Une map d'enfer, il y a du feu partout là. Ouais, on est sur un biome lave en plus. Il y a des biomes différents aussi pour les missions. J'ai oublié de le préciser. Pour voir qui varie un petit peu. Le Cerber se referme. Je sais pas ce qui se passe. Faut tirer sur l'œil. Putain, je le vois pas l'œil. Il doit pas être de notre côté. Wow. Ah oui, putain, oui. On va passer à l'intérieur, ça pique. Merci. Aou, je mets un bouclier. Je demande un ravitaillement, j'ai plus de munitions. Et où Lutin? Il est à côté de moi, ouais, je sais pas si je vais pouvoir le relever à temps. Si c'est bon. Oh la vache, il est chaud l'event. Y'a des robots sans arrêt là. Venez prendre du ravitaille si vous voulez, je vous mets un bouclier. Si vous voulez vous soigner au passage. C'est bon, premier. Ok, venez là, vite. Ou là-bas, oui, ou si vous voulez, allez-y. Je vous mets un bouclier dans le doute, comme ça vous êtes tranquille. Merci. Ah merde. Oh quel enfer. C'est quoi ça? Attendez, ils ont rajouté des tourelles de précision maintenant.
Il y a des touches de précision dans les murs. D'accord. Oh putain, il y a les champs de force. Oh la vache. Ouais, vous me resterez plus tard, là c'est un peu... C'est un peu l'enfer. Ouais. Ah ouais. Ouais, je confirme, ouais. J'arrive. Merci. Je t'en prie. Allez, attends. Je finis les trucs de précision, si je peux. Ouais, c'est fait. Champ de force. Il y a d'abord une technique, c'est de creuser un petit trou. Ah non, ça ne marche pas. Aïe, je crois pas en fait. Il y a une technique. C'est chaud. Merde, putain. Ah. Non, c'est bon. Aïe, j'en mets un autour de ça. Je recommande un autre ravitaille parce qu'on en aura bien besoin. Ouais. Heureusement qu'on a eu pas mal de nitra. Attention au champ de force. Merde, aïe, je vais le prendre dans la gueule celui-là. Merde. Ah, oh, je prends plein la gueule d'ailleurs, ouais. Putain, ils ont remis des tourelles, c'est pas vrai quoi. Comme si c'était pas si difficile quoi. Ah la vache! Wow. Oh le défi hein! T'as vu la vie qui reste? Ouais! Ok, je suis tombé. Merde. Ah, je vais tomber. Je t'ai relevé? Ouais, c'est bon. Je trouvais que c'est un truc, merci. Champ de force. Ouais. En fait, à chaque fois, il faut décaler d'un petit peu à chaque fois. Ouais. Ah merde. Merde, putain. Ça y est, c'est bon, j'ai ouvert le ravitaillement. Ouh. Merci. J'ai plus de vie, attention. Je vais essayer d'aller aider lutin. Je mets un truc, si vous voulez prendre le ravitaillement, je mets un bouclier justement. Ouais. Vous privez pas. Hein. Merci. Par contre, j'ai l'impression que les griffes là, ça. Oui, ça. Oui. Sniper tourelle là-bas. Ah, et je crois que son œil est ouvert. Ouais, oui. Il est ouvert depuis tout à l'heure, je lui ai tiré un peu dessus, mais bon. Putain de merde! Ah, tiens, tu peux. Tourelle de précision, c'est fait. L'œil, je le défonce là. On trouvait dans le rencontre du troisième type. Là, c'est l'œil encore ouvert. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien, que c'est calme total, mais. Ouais. Voilà. Par contre, on a plus de nitra. Hein. On a tout. Ouais, tout bouffé. Il reste deux ravitailles. Ok. Bon, on laissera ça à ceux qui ont une grosse puissance de feu alors. Je lève la tête. Mort de rire quoi. Bah, je vais en prendre un maintenant parce que j'ai plus que 300 munitions donc. Voilà. Et ouais, après. Oh là là. Merde, putain. Non, putain. Ça rien. Je prends cher, mais c'est pas grave. Merci. Hop là. Il est où, lutin? Là-bas. Il est là-bas. Fais gaffe, il y a plein de drones partout. Je prends cher. Merci. Ouais, je t'en prie. Si ça ignore les boucliers, non? Oui. Oh là, je prends trop de dégâts, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc de soin un peu plus sur les hauteurs, là, si j'arrive à prendre de la hauteur?
Si par là les justement ouais tu seras un peu plus tranquille. Là. Allez, robot patrouilleur, il dégage. Je vais essayer d'aller res flow. Il y a le truc de répulse qui me pousse. Je tente un truc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Aïe. Ah bah là c'est pas passé déjà. Ou est-ce que j'aurai le temps? Ouais si. Franchement je tente un truc à double tranchant là. Je pense que c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire mais je tente. Oh putain. Ouais ouais très haut ouais. Si j'ai réussi à avoir du soin mais je tombe. Non. Merde. Ouais. C'était bien passé hein mais... Merde. Je t'ai fait dégager Flo. Désolé. C'est pas grave. Après je peux me raise hein mais Ouais, attends attends. Si je me raise je prends le... Attention, y'a un truc. Ouais, faites gaffe, hein, vous avez plein de trucs autour de vous là. Hein. Allez, c'est bon, merci. Non, pas par là. Allez, on est pas loin, on peut le faire, franchement. Moi, je veux pas vous aider beaucoup là, il me reste une seule mission. Je finis les angles. J'ai plus que ma tourelle. Putain de merde! Non, mais il a pas pété son truc encore là? On est deux à terre. Ça y est, c'est bon, ça y est. L'œil. Si, faut viser l'œil maintenant. Faut surtout relever. Le seul. Ouais, je vais relever d'accord. Pour moi, on reste un. Je vais reste flow. Ah merde. Ouais, il va falloir que tu restes flow. T'as pas le choix là. Ouais. Je confirme. Vous êtes où, vous, putain? On est tous les deux au même endroit. Je suis à voir par ces putains de vacuums. Ouais, y'a du monde là. Oh là 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 là. Ouais, cette mission, ouais, faut prendre le truc qui reste plus vite, je pense, hein, parce que vraiment... Mais moi, je l'ai. Je l'ai, mais j'ai déjà activé, c'est qu'une fois, quoi. Ah, c'est qu'une fois. Non, mais même, j'ai le truc qui reset beaucoup plus rapidement, aussi. Ouais, il nous faut l'œil, mais je sais pas où il est, quoi. Il est de l'autre côté, on voit sa lumière rouge. Ah ouais, putain. Oh la vache. Oui, bah, tu peux en jouer. Merde. Je suis un peu fait mal, mais il s'est refermé. C'est ça. Ouais, non, attends, je te reste plus tard. Il est face à moi là. Il non, est face à moi. Ah putain! Ah merde. Ah, il faut pas s'approcher, ouais. Allez, il est là, je l'ai. Ah putain, allez, volonté de fer. Allez, la volonté de fer. Oui! Par contre, dites-moi qu'il y a quelqu'un qui est encore vivant. Hein. Parce que moi, je vais tomber à côté de vous. Hein. Je vais tomber à côté de Dacus, j'y vais. Oui, oui, j'ai résé tout le monde. J'ai réanimé tout le monde. Wouhou! Bravo, les gars. Oh, j'ai pas réussi à te réanimer. Mais c'est bon, c'est bon. Oh la vache. GG, les gars. Bravo, les gars. GG, ouais. Qui a dit qu'on était des perdants, hein? Qui a dit qu'on était des losers? Oh la vache, first try. Ouais, first try, mais c'était chaud. Hein. Alors ça me donne quoi? Un gros truc. Attends, vas-y, ça fait quoi quand on clique dessus avec... Attends, le pose pas tout de suite, mets-le par terre. Tu sais, quand on vise, des fois, ils disent quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Moitié de données, ok. Ok, bah sur Molly, apparemment faut l'attacher à Molly. Bah voilà. Ah nom de dieu quoi! Il reste une dernière charge, je vais la prendre à moins que quelqu'un en ait vraiment besoin. Ah non, vas-y, ouais. Alors, le signe qui dit la violence de l'event, oui. Oui, ouais, bah, ouais, oui, c'est le début ça, ouais. Ouais, c'est chaud. Et Z-moi 6 qui disait ça a l'air un peu tendu quand même. Ça a l'air tendu. Ouais, ouais, après non. C'est... Après, on n'avait pas de strat encore, donc bon... Non, c'est le nouvel événement de la mise à jour. Le seul et unique, hein, d'ailleurs, la seule nouvelle mission, type de mission. Et ils avaient annoncé qu'il serait un peu corsé, quoi, parce que les gens demandaient de la difficulté. Mais en fait, c'est tendu comme le sous-vêtement de Dacus. Ah bah non, mon sous-vêtement, il est plus tendu, il est tout humide. Il est propre à étranger quoi. Pourquoi vous partez là-bas? Parce que vous avez suivi le scout et pour une fois le scout a pris le mauvais chemin. Elle est où la capsule? Ouais. Ouais bah c'est non. Et bien sûr c'est moi qu'on va laisser derrière.
Sinon, vous pouvez suivre le foreur qui fait son travail. Ah oui. Ah, il fait des tunnels droits. Il a l'inclinaison maintenant. Il a l'inclinaison, donc maintenant je sais où je vais. GG, Flo, t'as fait un tunnel droit. Bon, là, il part un peu en couille quand même. Oh, jamais content. Jamais content. Oh là là. J'ai dit un peu, j'ai pas dit que c'était nul. Oui, c'est chaud, c'est chaud, ça, on sait que c'est chaud. En tout cas, tu demandais s'ils avaient ajouté des succès, mais en tout cas, ils ont pas ajouté un succès de le réussir. Non. Ah ouais. Bah, on a pas encore réussi, on peut encore échouer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Wow. Oh, regarde, oh, oh putain. Ouais, attendez, parce que tous les quatre, tous les quatre côte à côte avec un oppresseur, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon. Ça s'ouvre, non? Oui. Bah oui. J'ai plus de munitions. Ça y est, c'est bon, c'est ouvert, c'est ouvert. Rock and Stone! Bravo, les gars. Ah bah parce que c'est déjà arrivé qu'on puisse échouer à la fin de mission, en fait. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on le dit. D'ailleurs, pourquoi la mission ne s'arrête pas? Putain, tu peux avancer? Bah si, je suis rentré. Ah voilà, s'il te plaît, merci. Avant que sa barbe là, mettez pas dedans. Oh l'angoisse. J'avais un poil de barbe qui dépassait. L'angoisse. Ouais, poil, autre chose. Eh bah poil de barbe. Quel magnifique. Ouais, c'était. J'espère qu'il donne beaucoup plus d'expérience aussi. Ah oui, c'est vrai que toi Flo, t'adores l'expérience. C'est ça. Oui. Ah, 12 000 ouais, quand même. Ouais, 12 000 ouais, c'était pas mal hein. Ouais. En double XP, c'est presque ça aurait fait descente, 25 000. C'est presque une descente abyssale. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, ça par contre ça donne pas plus, c'est 200. Hey, t'imagines une descente abyssale avec ça? C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais peut-être on essaiera de se réorganiser ça, un petit live où on leur montrera ce que c'est qu'une plongée abyssale là. Ouais, clairement. Bon, en fait, il faut comment enchaîner trois missions avec les mêmes points de vie, les mêmes ressources, etc. Voilà, ouais, avec des petits bonus. Je pense qu'on fera ça. Bon, ben voilà. Et ben, je pense que je. Bah, c'est pas je pense, c'est que on va arrêter là, pour ma part en tout cas. La VOD et le live aussi, parce que j'avais dit que j'arrêterais à 23h, mm-hmm. Et ben, il est moins 5. Quel timing, bravo messieurs, c'était un timing parfait. Je sais. De toute beauté. De toute beauté. On est des experts. C'est ça. Et du coup, moi j'ai débloqué le casque équipe de choc alpha. Voilà. Magnifique. Ou pas. Ouais, j'ai débloqué quelque chose. Ah, débloqué du tout. Bah, moi je suis passé niveau 2 en. Ah oui, non, je suis encore niveau 1. Ah bah oui, voilà. Ça a l'air long. Mais comment, comment ça se fait que je. Ah oui. Attends, je comprends. Il y a les objectifs aussi. À refaire. Oui, complètement. On refera. Voilà, vu que ça marche bien et tout, on refera du petit live. Tranquille ou bilou. Et bah écoutez, merci à toutes, à tous, à tout le monde. Et puis bah à une prochaine sur les jeux du site sur Twitch avec d'autres jeux et peut-être à nouveau du Deep Rock. Merci d'être passé, Dacus, Lutin et Flo, et merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Ciao ciao. Merci à tous. A plus tout le monde, merci bien.